Bah, on se connaît depuis très longtemps. Simplement, on se connaît vraiment depuis le team en 2012. Et en fait, le duo, il est parti d'un rêve. D'une connerie. D'une connerie, en fait, ouais. Où j'ai rêvé qu'on faisait un duo avec une t-shirt en France. On a rigolé. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, l'année prochaine, on allait faire, quoi. Voilà. Et on a fait, et on est t-shirt en France. Voilà. Bah, on est hyper complices dans la vie de tous les jours déjà, mais oui, ça nous sert. Bah, on sait à quoi s'attendre. On sait ce que c'est qu'un championnat du monde, on sait qu'on va avoir peur, on sait qu'on va être stressé, mais on a envie, donc ça nous donne de la force, on va dire. On le fait avec plaisir, on le fait à fond, on essaye de danser. Après, on sait qu'il y a des gens en face qui sont hyper réceptifs. Oui, on a toujours des petites qui viennent nous voir en compétition, qui nous demandent des photos, des autographes. Alors, oui, on sait, mais comme nous, quand on était plus jeunes, on avait aussi des athlètes favoris. Alors, moi, j'ai été très fan de François Le Boucher. C'est une de mes références en solo. Je le trouve, parce qu'il fait tout à fond. Au-delà, il a gagné avec une chute, mais c'était tellement un spectacle que sa chute on l'a même pas vu. Donc pour moi c'est la référence sur le Roi Lion. Et quand j'étais plus jeune, ça c'est un petit secret, j'étais amoureuse de Charlie Lucas. Je le trouvais trop beau. Voilà. J'avais promis de pas le dire à l'interview, mais je le dis. Moi j'étais fan de Aurélia Boissineau, la sœur d'Alexandra. Ça a été quelqu'un qui a marqué parce qu'elle faisait plein de choses complètement différentes. Et ouais, j'étais fan d'elle. On aimerait vivre le truc à fond. C'est la dernière. Donc bah, on prend plaisir, que ce soit à l'entraînement, ouais, dehors. On reste aussi concentré dans notre bulle, mais on fait tout à fond. Comme on sait que c'est la dernière, on se dit, faut rien regretter. Qu'est-ce que vous dites? Tu veux vraiment savoir? Et bah, danse. Ouais. Franchement, danse. Danse, rigole et puis... Fais-toi plaisir, danse et... Voilà. Détache-toi de ton bateau. Et puis si on peut se tailler encore une dernière fois avant de rentrer, ouais, on le fait. On aime bien se piquer les fesses. Bouge ton cul. Bip.